Non, ce n'est pas un champignon de Super Mario Kart, c'est le casque de Senna X1, un casque vélo équipé d'un Bluetooth. Je remercie d'ailleurs Avis Sportif de m'avoir permis de tester ce casque et la société Senna. J'ai été en dehors du fait que le casque n'est pas forcément très joli, surtout de face, comme vous voyez. Ouais, c'est un peu mieux de profil, regardez, c'est quand même déjà mieux. Mais il protège, c'est déjà une bonne chose, c'est solide, c'est pas de la Deutsche Qualität, mais c'est du bon. Et les performances Bluetooth sont franchement convaincantes. Très bonne qualité en communication, lorsqu'on écoute de la radio, des podcasts. Je ne l'ai pas testé en groupe. Pas d'amis, qu'est-ce que vous voulez? En revanche, c'est vrai qu'en solo c'est particulièrement bon. J'ai l'habitude d'utiliser un casque traditionnel avec une marque connue qui commence par After et qui termine par Shox. Et c'est vrai que la qualité est relativement bonne et ça a le même avantage, à savoir que ben, on entend les bruits environnants et ça c'est une bonne chose. Franchement, en termes de sécurité, c'est vraiment très bien. Et par moments, j'ai trouvé que la qualité était meilleure, notamment lorsque ben, le souffle et le vent étaient assez importants. Par exemple, quand je roule très vite, ben on entend quand même, notamment dans les descentes, on continue à entendre le son environnant. Ça, c'est franchement bien. Je trouve qu'au niveau du prix, c'est quand même, si on compte le prix d'un casque et d'un casque audio, c'est quand même relativement abordable. 199 euros à annoncer. Je conseille, en espérant que bah, ils vont améliorer un petit peu ce côté design. Voilà. En tout cas, à bientôt pour de nouveaux tests. Je vous dis à très bientôt. Bye.